matin, nous allons aller dans Josué, ouvrir la Bible, nous allons faire la Bible. Et je vais tout bon Dieu nous pour quand on va travailler. Nous allons aller dans Josué, Josué chapitre 6. Merci, c'est Agé, pour tout effort que vous faites, vous êtes capable de prendre présent, bien pour votre travail. Vous faites effort pour prendre présent, et puis pour nous être capable de chanter, pour nous bailler bon Dieu voir. Donc, nous, vraiment, un petit merci avec tout le groupe, parce que chaque dimanche, un groupe toujours fait effort pour faire ministère, donc c'est très bien. Et pendant, on a aussi bien salué, et si là, on peut suivre nous sur les réseaux sociaux, et, ou même qui est sur Facebook, ou bien sur YouTube, nous saluons maintenant grandement à la gloire de Dieu. On va aller dans Josué, chapitre 1er, précisément chapitre 6. Josué chapitre 6, le verset 1er, côté des livres noirs. Maintenant, dans le texte, ça, si Bibou a ouvert dans Josué 6, il dit Jéricho était enfermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, Voici, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de la guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Le verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville se coulera et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Amen. Donc, maintenant, nous va garder comme si je à nous have trust in God. Croyez en Dieu. Have trust in God. Croyez en Dieu. Croyez dans mon Dieu. Et pour qui ça, nous allons garder ça comme sujet? Have trust in God ou bien croyez dans mon Dieu? Historiquement, ils ont rapporté nous, ils ont dit nous, Jéricho, c'est une ville qui construit très ancien ou bien très longtemps. Et ville ça qui construit avec une muraille. Qui était faite même avant la naissance de Josué. Et ils ont expliqué, ils ont dit, Jéricho, c'est une ville qui est plus ancienne du monde, et pas quelques raisons, mais dans le sens, ils ont dit, pas endroit, les plus anciennes, et pas, non pas par endroit, mais ils ont dit, miraille, là aussi bien, ils ont dit, c'était un miraille qui était mesuré 7 mètres de hauteur, et lui mesurer 7 mètres de large, eh bien, pour le monde qui a parlé, ou bien qui a dit n'importe parole, ou bien pour le monde qui connaît, il dit que Mireille, ça a l'idée symboliser la puissance de la force militaire à l'époque. C'est que, puisqu'elle était symbolisée la puissance de la force militaire à l'époque, c'est que le monde qui connaît Mireille, ça a le fait que le monde n'a pas rentré, le monde n'a pas sorti. Et lorsqu'on regarde le texte là, non, bon anglais, elle dit, now Jericho was sweatily shut up because of the children of Israel. Et puis prêt, et puis dit, none went out, none went in. En d'autres termes, que miraille Jericho a été fait que le monde n'est pas capable de rentrer, ni le monde n'est pas capable de sortir, et ils ont fait avec nous propre et simple raison pour le peuple Israël pas capable de rentrer. Mais lorsque nous regardons le texte là, nous disons, waouh,
Mais comment se fait que le Seigneur, depuis dans Josué, chapitre le premier, le Seigneur dit avec Josué, lui dit Josué, serviteur moyen après la mort de Moïse, il dit prends le peuple là, ou rentrer avec le peuple là, Canaan. Et pour Josué rentrer Canaan, il faut qu'il passe par Jéricho, est-ce qu'on l'a vu? Dans le monde sûr. Pour Josué rentrer Canaan, il faut qu'il passe du côté de Dieu, Jéricho. Et historiquement, ou bien texte de Josué chapitre 6, dit nous que Jéricho barricadé, monde pas rentré, monde pas sorti. Maintenant, comment Josué faire traverser, est-ce qu'on a traversé la ville de Jéricho pour rentrer dans le pays de Canaan, côté que le Seigneur m'a eu comme terre promise? Eh bien, pour Josué faire ça, Guillaume Bakay, Josué était apprendre à faire. Josué était apprendre la promesse de Dieu. Qui ça me dit? Josué fait ça, apprendre à connaître la promesse de Dieu. Donc, qui promesse? Et Josué quoi? Qui promesse? Et bon Dieu était fait Josué. On nous fait back maintenant pour lire ça pour une promesse là. On nous garde dans le chapitre 1er, Josué 1er. Dans Josué 1er, le Seigneur fait promesse ça. C'est promesse ça, le Seigneur fait avec Josué. Et c'est promesse là que tu parles exécuter parce que, bon Dieu, lorsqu'elle fait une promesse, ça, bon Dieu dit, ah, il y a courage pour l'accomplir. Bon Dieu, pas l'homme, est-ce là? Bon Dieu, pas l'homme. Bon Dieu fait promesse avec Josué. Dans verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Là, c'est une promesse, pas vrai? C'est une promesse que le Seigneur fait avec Josué pour dire Josué que serviteur, non, Moïse dit oui, parce que Buya, raison, pas mieux que lorsque l'Éternel révèle Moïse, il dit Moïse, va prendre le peuple en Égypte pour sortir en esclavage, pour rentrer à Canaan, bien que Moïse pas arrivé. Alors, il se dit Moïse pas arrivé parce que Moïse, et lorsque le peuple a venu paraître rebelle, Moïse obéit avec le peuple là. Eh bien, l'Éternel dit Moïse, vous ne pouvez pas rentrer parce qu'on parle là pour suivre le peuple là, mais c'est le peuple là pour la poursuivre vous. Eh bien, Moïse et Josué, bon Dieu fait appel avec lui pour rentrer avec lui. Là, il y a une promesse qu'il fait. Et dans le verset 3, il dit Josué, tout lié qu'on mette plat pied, tous les lieux que vous foulerez à la plante de votre pied, je vous les donne, moi, va baoul. Comme je l'ai dit à Moïse. Et puisque l'Éternel finit de faire déclaration ça, bien Josué, l'île par contre, nous les personnes, c'est tant de Josué, tant de Tiro, et la miraille de Jéricho, il barricadé, la miraille de Jéricho, il fait 7 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur, c'est tant de Josué, tant de que le monde paraisse, mais Josué a confiance en Dieu. Et il croit dans Dieu, il dit, puisque mon Dieu fait une promesse, lui dit, ma rentrée est Canaan, je n'ai pas besoin de compte qui l'argent, qui profondeur, la miraille de Jéricho, mais quoi la promesse mon Dieu fait maintenant, moi apprendrai quand même. Amen. Donc c'est que ça voulait apprendre moi-même avec mon parabole ça là, ou bien notre contexte ça là, c'est que quelle que ce soit la difficulté de la vie, n'importe quel genre ça paraît de là. Bon Dieu, ferme même ensemble avec une promesse. Amen. Et puisqu'elle fait une promesse, nous devons croire dans la promesse de Dieu. Parce que ça, bon Dieu, dit nous, hein, c'est oui et amen. Amen. Qui promesse? Bon Dieu, fait nous une pile promesse, mais on nous râle. On nous râle. Dans une promesse, bon Dieu, fait nous dans le psaume 46, pas vrai? Dans le psaume 46, l'Éternel dit, Dieu a pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis il commet la dit, c'est quoi? Nous sommes sans frère. Donc son promesse. Même si moi la terre bouleversée, là, vraiment ça va, oui. Même si moi la terre bouleversée, pas les humains. Parce que bon Dieu. Là. Et Josué croit dans la promesse de Dieu. Et. Il va nous donner l'idée de la promesse de Dieu. Je dis que
dans l'essence bon Dieu, même dans la nature bon Dieu, bon Dieu va pas faire mentir. Est-ce que là? Dans l'essence bon Dieu, dans la nature bon Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui va faire mentir. Ça, tout là, il va combler quand même. Lorsqu'elle dit la parole là, ou pas besoin de faire, la parole. Parce que dans l'essence, lui, étant que Dieu, lui n'est pas capable de faire mentir. Le deuxième bagaille, et nous besoin d'apprendre, dans bon Dieu, et nous besoin d'apprendre que, nous besoin de rappeler nous, qui ça, bon Dieu, te dit nous. Il te dit nous là, ensemble avec. C'est ça, nous devons rappeler nous ça. Donc, c'est que Jésus rappelait le bagaille ça. Non. Nous regardons. Non pas, bon Dieu fait nous un commerce, lui fait Josué un commerce. Mais deuxième bagaille, Josué apprend à obéir avec le plan de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Josué apprend à obéir avec qui ça? Avec le plan de Dieu. C'est vrai, bon Dieu, il doit faire un commerce. Lui dit, ma bonne tête est intacte, mais bon Dieu, tout lui va au plan, pas vrai? Lui bon plan comment pour fonctionner, lui bon plan comment pour marcher, lui bon plan comment pour réagir. Donc dans le plan de Dieu, vous devez rester en bas le plan de Dieu. Ou pas qu'à traverser mon Dieu. Gardez le plan de Dieu avec Josué. Gardez ça, dit. En nous verset 3. En nous verset 3. De chapitre 6. Chapitre 6, verset 3. Dans le plan, le plan de Dieu. Chapitre 6, verset 3. Il dit que faites le tour de la ville. Vous. Non. C'est ça? Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de la guerre. De guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant combien de fois? 6 jours. Là, c'est un plan de bataille. Ah oui, ils ont plein de bataille. Donc, bon Dieu m'a dit, Josué, paraît devant bien connaître, viens avec Mato, viens avec Rache, viens avec Biré pour frapper, bien pour la délater. Non, il pas ça, dit Josué. Même dit Josué, là, paraît devant Jericho, faire tout, villa, yo, frappe. Et lorsque nous lisons le verset 6, nous jambé le verset 5, 4, 5, et on a le verset 6, Josué, fils d'aîné, appela les sacrificateurs. Et il a dit, portez l'âche de l'alliance. L'âche de l'alliance, par moi ici, le symbole de Dieu, c'est la présence de Dieu qui l'a au milieu du peuple, puisque bon Dieu là. Josué dit avec sa brigadeau, prends l'âche là qui symbole mon Dieu. Et puis Josué va expliquer le peuple Israël, voici le plan de Dieu. C'est vrai, mon Dieu, fait nous promesse là, mais il dit nous plan. Premier bataille, il a fait le plan. Lorsqu'elle vive, Jéricho, il a fait tout, il a une fois. Et puis l'aide venue vers toute ville là, à la caillou, manger, bré. Relax. Parce que bataille là, c'est pas pour nous lier, mais bataille là, vous êtes lié. Pour l'éternel. Ouais, ça me comprend là. Pendant que des moments difficiles, des moments corona, des moments d'être chargé, des moments là, laissez-y dire moi comme ça, pour moi, vous simplement faire confiance. Rester dans la présence, lui. Marcher avec lui. Fidèle à elle. Depuis nous faire confiance, nous fidèles à elle, nous n'avons pas besoin de craser pour nous. Nous ne disons pas que nous mourir. Mais le Seigneur dit la protège nous. Amen. Mais sous promesse qu'elle fait moi, mais nous devons suivre qu'elle est dans la promesse là. Et puis qu'on y a un absolu plan. Un absolu plan, il va nous plan. Et maintenant, si vous-même vous voulez lire les versets, vous allez jusqu'à verset 10, il dit que l'Éternel, Josué, fait parler avec le peuple là. Et puis, dans le verset 7, et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, etc. En d'autres termes, Josué dit le peuple Israël, voici le plan du bataille. Et le peuple là, maintenant, ils suivent plein de bataille. En nous faut-il imaginer une seconde. Yo ti réfléchir tout petit. On dit que Josué te paraît devant peuple là, il dit peuple là, d'après l'ordre que bon Dieu m'a moi comme plan, n'a pas n'a fait tout ville là une fois. Et puis peuple là pas entendre ça Josué dit, yo dit ça Josué a parlé là, a fait tout. C'est un gros message avec bire oui. Pour craser. Ça va se passé là. Désobéissance. Et de pour désobéir avec l'ordre de Dieu.
Et puis, on perdit la bénédiction de Dieu. Nous devons ça, moi dernier. Lorsqu'on désobéit avec l'ordre de Dieu, on perdit la bénédiction de Dieu. Et non pas on perdit la bénédiction de Dieu, nous devons aussi bien perdre le deuxième bagage, on perdit la protection de Dieu. C'est que pour le peuple a réussi, il faut qu'il y ait un grand plan. Maintenant, le peuple a obéi avec le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, bon Dieu, il y a quatre bagages. Il fait dans le plan là. Ma première Dieu, vous prenez notre Dieu. Premier bagage que Dieu fait dans le plan là, le plan bon Dieu a toujours avantage pour vous. Qui ça nous dit? Plan bon Dieu a toujours avantage pour moi même avec. Dans le plan de Dieu, il toujours. Parce que c'est lui-même qui met de la vie, pas vrai? Nous ne connaissons pas ce bon Dieu. C'est, nous ne pouvons pas nous faire si très souvent, nous comprenons qu'on a passé nous, mais on ne connaît pas ce nous. Yo ta parle anglais parce nous. Amen. Yo ta parle anglais parce nous. Yo ta un système parce nous. Mais yo pas connaît parce nous parce que bon Dieu nous nous pique parce nous. Nous connaît plus. Nous ouais plus bagaille. C'est que Dieu est le chef de la vie. Dieu est le chef des miracles. Des miracles. Bon Dieu, bon Dieu a contrôlé les miracles là. Et bien faire plan lui. Et dans plan lui, lui fait des plans des avantages pour même avec. Donc dans plan bon Dieu, des avantages là. Qui ça nous dit dans plan bon Dieu? Qui dit ça? Avantage. Premier bagage pour retenir. Deuxième bagage pour retenir dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, bon Dieu venait pour exalter nous. Amen. Est-ce qu'on a? Amen. Plan bon Dieu qui a avantage. Et puis bon Dieu venait pour faire ça. Pour exalter nous. Parce que bon Dieu va faire pour faire rien. L'or finit pour une balle d'estomac, pour dire oui, c'est parce que je devais ici, c'est parce que je devais là, qui fait la rouge. Non, bon Dieu parle de ça, mais bon Dieu voulait que c'est pour suivre plein là, et parce que plein là des avantages, et si plein là suit plein là, après on va camper, amen, pour exalter le nom de Dieu. C'est ça, mon Dieu, attendre de nous-mêmes pour nous capables d'exalter le nom de Dieu. Et puis, troisième bénéfice qui gagnait dans le plan de Dieu is without no limits. Amen. Plan bon Dieu, Marie, qui ça nous dit, pas qu'un limite. Plan bon Dieu, pas qu'un limite. Lorsque l'homme dit limite, on le campe là, et puis bon Dieu, même dit, hey, petit, petit, puis moi, hey, petit, madame, la roue à peine a commencé, la roue à peine a continué. C'est l'homme qui a dû mes limites. Amen. L'homme bon limite. L'homme ou pas là, je me souviens, je me souviens, c'est ça toujours de même. Et lorsqu'on me dit, belle cicatrice blanche à Cali, ou pas rentrer, et puis, tu veux, je te souviens un peu. L'homme pas limite, mais bon Dieu pas bon limite. Amen. Même dans le travail, l'homme pas le travail. Je dis, oh, c'est 20 ans nous bon. Ou l'autre a le fond 30 ans parce qu'on a besoin, on a besoin de rien. Je dis, non, mais allez, ou aucune limite. Maintenant, bon Dieu, pas de limite. Si vous limitez, c'est vous pour limiter tête. Mais bon Dieu, pas limité. C'est que bon Dieu, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de limite. Et vous êtes capable de faire n'importe quoi. Et ça qui est important dans le plan de Dieu, pendant pas de limite, c'est parce que l'âge de l'éternel est au milieu du peuple. Et l'éternel présent dans le peuple, dans le peuple là. Mais depuis l'éternel présent, ou sans limite. Donc, pour ça, limite, c'est ça rien. Et quatrièmement, il dit, le plan, mon Dieu, dans le plan de Dieu, power, son bagage personnel, mon Dieu, pas partager gloire avec personne. Avec personne. Et malheureusement, souhaitez nous pas faire ça, va bon ici. Moi, dans les mots, je dis, moi, je chante, on chante, et pour me balancer gloire, et puis, moi, des yeux chantent. Nous, pas condamner par ça. Non, ou pas chanter dans le champ, ou pas vous dire gloire, mais ce n'est pas pour capable de dire, ce n'est pas pour nous pas de gloire, et c'était pour nous pas le faire, ou pas de se faire, parce que nous ne pas de nous. Nous ne pas de nous. Mais on va faire pour la gloire de Dieu. Pour Dieu n'a pas besoin, et même lui n'a pas besoin pour gloire et partager avec personne, parce que bataille là, ce n'est pas vous qui menez, bataille là, ce n'est pas moi qui mène avec vous, c'est l'éternel de sa mère qui a mené la bataille là. Donc, puisque Josué, lui apprend qu'on connaît la promesse de Dieu, et lui suivre le plan de Dieu. Est-ce qu'on l'a même? Amen. Nous sommes de qui côté? Dans la promesse de Dieu.
Dans Josué chapitre 1er, bon Dieu fait une bonne promesse. Et maintenant, dans Josué chapitre 6, bon Dieu paye Josué plan de construction, plan de bataille, plan de victoire. Bon Dieu paye Josué. Et maintenant, dans le plan, hein, et troisième, et parabole politique, nous sommes capables de jouer, que dans le troisième, là, Josué apprend qu'on connaît que bon Dieu fait provision dans le plan. Qui ça, bon Dieu fait? Il fait provision. Hein? Bon Dieu fait promesse. Il fait plan. Et puis là, il fait plan. Pas avec ça. Provision. C'est simple, oui. C'est simple. Comme parle, ou bien comme on individu qui a vivre. Donc, cependant, on doit faire une promesse. Et puis, on finit faire promesse. Là, il faut faire un plan. Comme on parle d'exécuter promesse là. Et puis, on finit. Il faut faire provision. On ne peut pas finir faire promesse et on ne peut pas faire provision. Pour une comment? Okay? Ça va le résoudre. Eh bien, dans la provision de Dieu, hein, dans la provision de Dieu, pendant Josué apprend pour le croire dans la provision de Dieu, il y a un bagage que Josué a besoin de mettre en application, c'est obéissance. Dans Josué, chapitre 1er, le verset 8, l'Éternel dit avec Josué, c'est pour le livre de la loi, pas jamais. Sorti devant bouchou, c'est pour méditer lui comment? La nuit et le jour. Le livre de la loi pour nous, papa, ici matin, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu que nous devons gagner pour nous méditer la nuit ou le jour, n'importe côté de passé. Eh bien, la parole de Dieu, c'est lui qui doit dans nous pour nous méditer. Eh bien, nous devons l'être, se nous méditer, nous connaître la parole. Les âmes n'ont qu'à marcher dans l'obéissance de la parole. Josué, après qu'on est pour nous capables d'obéir avec provision, bon Dieu fait, dans la provision, mon Dieu, gagne un avantage. Et non pas simplement, bon Dieu fait provision. This is the good one. God knows how to finish the course. Après, vous avez oui. Bon Dieu connaît comment pour finir ça. Course là. Alors, madame, I will do. C'est pas un qui rentre dans la bataille. Et puis, l'un rentre, il pas connu comment pour le finir la bataille. Même avant la bataille a commencé, Dieu qui a connu comment pour le finir pour ça. Regardez bien. Il dit Josué, on va paraître dans la ville là. On va faire un tour. Demain, si on va faire un deuxième tour. Après, on va faire un troisième tour. Quatrième jour, on va faire un quatrième tour. Cinquième jour, on va faire un cinquième tour. Sixième jour, on va faire un sixième tour. Et puis, lorsque le peuple attendait, amen, sur les trompettes, a sonné. Et puis, on va faire un shout de côté de l'Éternel. C'est pour qu'on l'amour devant mon Dieu. Et lorsque on l'amour devant mon Dieu, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Miracle, qui ça? Et à la grâce. Est-ce que ma tout de là? Pas que ma tout de là. Mais là, nous jouons obéissance. Hein? Nous jouons obéissance. Bon Dieu fait plan. Et puis le peuple a obéi avec le plan de Dieu. Maintenant, puisque God knows how to finish the job, He knows how to finish the battle. Eh bien, bon Dieu pourra récompenser le monde qui était fidèle dans la bataille. Amen. La Bible vous avez. Qui ça me dit là? Ça me dit oui. Bon Dieu pourra récompenser qui est le monde qui était fidèle. Ce n'est pas tout le monde. Maintenant, nous devons dire ça. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas bien bienvenu pour tout le monde. Non, il n'est pas bien bienvenu pour tout le monde, mais il est bienvenu pour le monde qui était fidèle en Jésus-Christ. Donc, si tu as un bon conseil, d'abord, c'est pour nous dire que quel que ce soit, Jean Saïéa, c'est continuer à être fidèle dans la bataille. Pas la guerre, pas décourager, pas les débrouiller. Retour Christ à Paloué. Signal Yoba, les gars, oui. Signal Yoba. Ça qui a passé là, c'est signal Yoba. Oui, là, même on dit, oui. C'est signal Yoba qui a passé. Bon Dieu va nous signaler, il parle dans l'Apocalypse, donc maintenant on a vu les signaux du dernier jour, on a vu les signaux du dernier temps. Donc nous avons signalé, côté Moyala, côté Sakta, tous les États-Unis d'Amérique. Amen. T'as fermé, t'as parlé avec nos blancs, semaine dernière, oui, semaine ça même. Il dit,
bagaille pas jamais imaginer et penser jamais quel taoué les États-Unis fermés même pour un jour pas de deux pour une semaine. Est-ce qu'il va fermer? Il ferme. Sauf que tu as dit que le président des États-Unis t'a battu bas. Le président des États-Unis, il n'a pas de bas. Il n'a pas qu'à camper. Mais ça, tu as quoi de ça? C'est parce que ce n'est pas le chef de la vie. Ce n'est pas le chef du monde. Ce n'est pas le chef de bataille là. Le monde qui chef de bataille là, il est l'éternel des armées. Amen. Le monde qui contrôle la clé, il contrôle la main. Dieu est l'éternel des armées. Et c'est lui qui a contrôlé l'humanité. C'est lui qui a contrôlé l'homme. C'est lui qui a contrôlé la vie. C'est lui qui a contrôlé la vie Marie. C'est lui qui a contrôlé la vie madame. C'est lui qui a contrôlé la vie petit tout. C'est lui qui a contrôlé tout environnement. C'est lui qui fait bataille là. Puisque c'est lui qui fait bataille là. Il compte comment pour finir bataille là. Et non pas compte comment pour finir bataille là. Mais tout le dit après comment c'est mon qui était fidèle. La paix mon Javel. Qui nous a voulu pour nous? Mon qui était ça. Mon qui était fidèle. Mon qui était fidèle. Donc maintenant, je vais encourager vous. Je vais encourager n'importe qui qui a des choses pour tendre des paroles. Pour capable comprendre que bon Dieu fait nous une promesse. La paix mon Javel. Dieu fait Josué promesse pour prendre Josué en Égypte. Pour rentrer avec Josué Canaan. Mais moi-même, avec vous, nous faisons l'autre promesse qui est plus grande que ça. Nous faisons une promesse ici, après retourner, viens chercher l'église, là, mais vous avez. Nous faisons une promesse ici, après retourner, viens chercher, moi-même, avec vous. La Bible dit, nous avons cherché. Détrompez-vous. Ce n'est pas building ça, la vie chercher. Ce n'est pas building côté adoré, la vie chercher. Mais la vie chercher, ou même comme l'église. Et puisque Dieu lui fait une promesse, la retourner pour nous chercher nous. Lui va nous le plan. Comment pour nous comporter nous pendant nous dans le monde là? Dans ce moment-là. Pendant nous dans le monde là, pendant nous dans la bataille, pendant nous dans la vie, pendant que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, lui va nous manière pour nous préparer nous. Lui va nous consigner comment pour nous arrêter, pour nous suivre les consignes. Et bien pendant que nous suivons les consignes, il dit les jours à vie difficile, jour à vie fait noir, jour à 15 jours, ou pas contre ça pour faire, mais il dit, restez fidèle. Amen. Et sous restez fidèle, c'est lui-même qui fait promesse là. Et lorsqu'il fait une promesse là, il fait plan. Et lorsqu'il fait plan, il fait provision. Et bien s'il fait provision, pour le monde qui était fidèle, ou pour le monde qui croit en Christ, ou pas capable dans les noces de l'agneau. Maintenant, dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 17, dernier paragraphe là, au dernier jour, la parole de Dieu dit nous, le Seigneur Jésus a dit, venez, vous tous rassemblez-vous pour le grand jour du festin de l'Éternel. Côté que nous prenons le chita pour manger les rôtis. La parole là, oui. Et il dit, nous prenons manger cher royaume. Chers politaires, chers militaires, nous prenons à l'aise pour nous chiter là dans le nord de l'agneau. Et nous disons matin, faites attention pour ne pas rater l'invitation. Qui ça me dit là? Faites attention pour ne pas rater l'invitation. Quelle invitation a manqué? Mais quelle invitation sous manqué, ça va pour vous? Faites attention, l'église. Faites attention aux amis qui suivent sur Facebook. Faites attention aux amis qui suivent sur YouTube. Faites attention aux amis qui suivent sur n'importe quel réseau social. Côtoyez matin, on est dans l'air que vous attendez. Faites attention pour ne pas rater l'occasion. Parce que l'occasion, la meilleure occasion en or. Parce que le Seigneur est pour faire appel à eux. Il est pour faire appel à eux. Il est pour faire appel avec nous ensemble au dernier jour. Mais ce qui est à bénéficier. Appelle ça ce monde qui était fidèle dans la promesse de Dieu. Nous encourageons, restez fidèles dans la promesse de Dieu. Nous encourageons, restez dans le plan de Dieu. Nous encourageons, restez la caille de Dieu. Parce que pour Dieu, fait provision
pour ensemble avec vous. Que le Seigneur bénisse vous, que le Seigneur garde vous, que le Seigneur aide vous à comprendre et à marcher dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Bon Dieu bénisse tout le monde. Amen.